Listen.
Me revoilà. Hop. Bon, désolé du retard. Mais on est reparti. Donc Pokémon Arceus. Là on en était. Ok, il faut finir le Pokédex. Il y a trois nouveaux Pokémon, pardon. À trouver. Ok, très bien. Oui, c'est où? Contrefort couronné. Eh! Si on allait faire l'éclat de ballon de l'extrême, je sais pas si ça fait passer le temps pour les distos. Comme vous vous rappelez, hein, on en a pas marre du tout. Mais on n'a pas eu encore notre deuxième dinoclier. Alors déjà, je vais regarder la Solus. Comment on a les trois là? Boreas. Boreas. Hop. Fulguris. Comment capturer Fulguris? Et pense. Non. Demeteros. Pour CA, je pense pas qu'on puisse l'attraper. Hop, très bien. Est-ce qu'il y en aurait un au contrefort couronné? Donc Boreas, il est dans les terres immaculées. Ok, ils sont vraiment. Ils ont popé à un endroit tout bâtard. Côte Lazuli. Ah oui, quand il pleut. Boreas. Ok, ils n'en parlent pas. De la météo. Et plaines oscilliennes. Il Rosa Rugosa. Sérieux, encore style. Quelle horreur. Ok. Eh ben, très bien. Du coup, il y en a. Salut, Flork. Du coup, il n'y en a aucun au contrefort couronné. Je sais pas ce qu'on fait. Voilà, clairement. Déjà aussi mes Pokémon dont j'ai besoin pour les combats. On va les blinder de. On va pimper leurs stats. Donc là ça va prendre 5 minutes. Voilà, on améliore toutes leurs stats. Je suis blindée de cailloux et tout parce que bah, quand tu relèves des Pokémon, ça t'en donne. Et comment vous dire, avec les méga apparitions, autant vous dire que j'en ai quelques-uns. Hop, Motisma, on a fini les cailloux. Enfin le sable. Voilà, j'espère que vous vous préparez bien un petit week-end de 3 jours. Sans moi, du coup. Hop. Enfin, après, n'hésitez pas à regarder les replays aussi, si vous voulez. Hop. Aïe, aïe, aïe. Donc désolé, là on arrive vraiment dans les moments un peu relous. Bon, enfin, par cette température, hein, on va pas faire trop d'efforts. Que franchement, le Magikarp tout seul pendant le combat. Aïe aïe aïe. Super, on a fait le sable. Maintenant, passons aux cailloux.
Donc il en faut 18 par Pokémon. Huit sables. Enfin non, le sable, ils sont pas forcément niveau 0. Mais ouais, 18 cailloux, 18 pierres, 18 rochers. Clairement, j'irai pas jusqu'au rocher. Déjà parce que ça prendra beaucoup trop de temps. Voilà, je suis en train de voir à m'acheter une cam. Déjà, bah, pour pouvoir mettre la cam, vu que la mienne est, semble-t-il, décédée. Mais comme ça, je pourrais peut-être streamer de la peinture sur ongles. Mmh. On va faire joujou. Oh là là, c'est long. Et franchement, si ce temps-là, il pouvait compter pour les distorsions spatio-temporelles, ce serait tellement bien. Le cabra. Donc on peut leur augmenter les PV. La vitesse. S'ils vont plus vite, bah ils rejouent plus vite. Donc ils ont de l'initiative. Tout ça, tout ça. Après, on augmente l'attaque. La défense. La défense et l'attaque spéciale, ça va être tout ce qui est pas physique. Ça va être en gros hein, tout ce qui va être la magie. Voilà, dans Octopath Traveler, ils appellent ça la défense élémentaire. Allez, petit poisson. Et je sais plus si, en pétant des cailloux, en allant voir Bellila, si en pétant des cailloux, on peut faire des plus petits, ou si on peut transformer des plus petits en plus grands. Je sais plus. Qui est un peu débile parce que j'en ai déjà vendu du sablé fort. On peut pas juste lui dire tu me mets tout au max et tu te débrouilles. Allez, bientôt fini, je leur montrerai pas plus le reste. Mais je me demande si quand ils ont des meilleures stats, ça augmente pas mieux à chaque changement de niveau. Oui, ceux-là, c'est ceux. Ah oui, j'ai pas réexpliqué. J'ai des quêtes où il faut que je fasse la voie solitaire. Qu'en gros, avec ces 4 Pokémon là du bas, il y en a genre 8 autres peut-être. Je dois réussir des combats avec uniquement eux dans ma poche. Et du coup, bah hier j'ai essayé Viteuf avec Motisma. Voilà, et ça s'est pas très bien passé. Donc voilà. Bah non, il va falloir qu'il attaque quand même, Ch'ti Pépère. Parce qu'il va pas mourir tout seul, le mec en face. Donc il va falloir que je lui... Mais on peut lui apprendre des attaques. En fait, on peut lui en apprendre. Ah, excusez-moi, coup de téléphone.
Me revoilà, me revoilà, me revoilà. Donc il y a une grave. Un tonton qui appelle au téléphone pour avoir des nouvelles. Bref, et ben allons-y. Donc on en était... Ah oui, on en était là. Et franchement, ah bah non, j'avais tout pile fini. Ça m'était complètement sorti de la tête parce que j'avais pas compris qui m'a appelé au téléphone. Et du coup, en fait, j'aurais pu continuer à faire ça si j'en avais encore eu. Donc je le saurai pour les prochaines. Hop, voilà. Les rochers, on va les garder un peu pour l'instant. Très bien, donc on a amélioré nos Pokémon. Que bah, de toute façon, là, on va aller farmer hein, à un moment. Est-ce que... On va au contrefort couronné pour faire pour chercher une distorsion spatio-temporelle ou eh ben on va faire ça. On va faire d'une pierre deux coups, contrefort couronné, une petite méga apparition, parfait. Et du coup, ouais, on va attendre jusqu'à avoir une distorsion spatio-temporelle. Donc n'hésitez pas à me le dire si vraiment vous en avez marre. On va du coup plus dormir, nuit blanche, et on va aller quand même faire la méga apparition. Parce que j'ai regardé sur internet, Dinoclier n'est pas dans les méga apparitions, donc on l'a dans l'os. On va être obligé de se poireauter pour trouver une distorsion. C'est le truc que je déteste dans les Pokémon, qui fait que d'habitude je ne finis jamais mon Pokédex. Mais là je me dis, quand même j'ai envie de vous montrer la suite, parce que je la connais pas non plus vu que j'ai jamais fini ce Pokédex. Alors, qu'est-ce qu'on a ok. Ah, Hippopotas, ça peut être sympa. À quoi il ressemble le Hippopotas Shiny? Shiny. Il est vert aussi, sérieux. Oh, ils ont un souci avec le vert. Enfin, je crois. Non? Attends. Non, il est un peu... Ah, j'arrive pas. Je suis... C'est frustrant, je suis obligée d'aller sur Google pour trouver les shiny facilement. Shiny. Image. Ouais, non, il est un peu plus doré, j'ai l'impression. Je comprends pas. Comme ils ont deux couleurs, les hippopotas, c'est ça qui est relou. Voilà. Ouais, si, ils sont un peu verdâtres. On dirait qu'ils ont un peu la nausée, c'est magnifique. Magnifique. Donc, on va se faire l'hippopotas. J'hésite à faire pouf, feu faux rêve, hippopotas. Ouais, on va faire ça. Et feu faux rêve? Je me rappelle plus. Si, je crois que c'est un truc super moche, feu faux rêve. Et devinez, devinez quelle couleur il est. Merci Florc, il est vert. Aïe, aïe, aïe. Puis à un moment aussi, il faudra qu'on se... Il va falloir qu'on se cogne de faire toutes les flammes. Et je me pose la question. Est-ce que ce week-end, pendant que je peux pas streamer, vous voulez que je farme un peu tout ça, pas vous enquiquiner? Ou est-ce que vous voulez voir le farmage? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Peu forêt. Oh, il y a un baron. Peut-être je posterai un petit sondage sur mon mastodon. Parce qu'il n'y a pas encore 50 abonnés, donc je peux pas mettre un sondage ici. Alors, il n'y en a pas de vert, hein, pour l'instant. Mais d'où il m'a vu, là? J'ai pris une potion et tout. Remboursé. Ouais, j'ai... Aïe, aïe. Mais je vais me tuer, là. On s'arrête à mes clients, on arrête les bêtises, un petit peu. Bah où? Il vaut combien? Ah ouais, 75 quand même. Très bien, ballon. Ah non, c'est dedans. What?
Non, mais tu parles du tout. Je vais demander un seul truc. C'est pas compliqué. Il dit me tue pas. Oui. Franchement, ils font pas aller. Pour la peine. Ah, j'ai plus de boules. De balles. Oh. D'un autre côté, quand j'ai ces balles-là, je meurs parce que j'essaie de leur envoyer. Ouais. Bah voilà, parfait. On va ressusciter mon petit Zoroark. Il avait rien demandé. Voilà, l'idée c'est de bien les attraper pour qu'il y en ait d'autres qui pop. Qu'est-ce que mort s'en fout? Voilà. Allez, Popotas! Que l'abominable petite créature est presque hippopotame. Popotame. Et hier, elle a pris la carte du memory de Pokémon avec Evoli. Et elle a dit Evoli. Et ouais. J'essaye de cacher Bulbizarre pour pas que... pour pas la pousser dans ses vices. Alors... aussi que je me refasse de la pollution. La solution. Là on a des mâles et des femelles. On a pas kill. Ah oh on a dit c'est slash qui. Bah pourquoi? J'ai compris. Oui, il est bien mais bizarre, mais enfin. Il est bizarre. Je vais avoir des soucis. Pardon, excusez-moi. Oh, il fait dodo. Allez, vous me saoulez là, vous voulez pas vous battre ou non, vous laissez attraper. Bon, il n'y a pas de shiny. Hein. Ah. Ah mais oui, c'est vrai. J'avais zappé que... Alors, ça sert pas à grand chose, mais parce que au moins de les attraper, ça fait passer le temps, contrairement à les combattre. Et du coup, bah, ça me fait gagner aussi de l'XP. Quand je les ai tous attrapés, il y en a d'autres qui repop. Genre là, on va avoir des Hyplodocus. Et du coup, même si ça me coûte plutôt cher en ball, en fait, ça me donne des sous d'attraper des Pokémon. Voilà, en gros. Sachant aussi que je vais y arriver. Que du coup bah quand je peux les revendre comme des pierres qui me permettent d'améliorer mes Pokémon. Mais clairement là
Ben voilà, ils m'ont tué. Je barre. Ils m'ont tué encore Zoroark. Il avait rien demandé à personne. Et du coup, alors je me pose la question si se téléporter, ça risque pas aussi de faire revenir la jauge. Donc on va pas se téléporter. Mais il faut que je me repasse des balles gluantes. Bah en fait c'est surtout au début, ça fait ressortir bah là les hippopotas, il y en avait 4 et bah les 4 je les ai attrapés et du coup après bah il y a eu au moins une dizaine d'autres hippopotas qui ont poupé. Hop. Du coup ça c'était plutôt cool. Et après ouais certains quand on finit la vague, on a une deuxième vague. Peut-être 100, c'est bien. Et solution furtive. Un néo. Et bon, on va en acheter. Faisons des achats. Et d'ailleurs, je crois que j'ai une. Il doit avoir une pépite quelque part. Non, je l'avais déjà vendu. Ok. Très bien, solution furtive, là, du coup. Voilà, très bien. Et du coup, on va aller se faire bah, le racaillou. Je pense que si j'étais pas tombée dans l'eau, je serais morte. Allez, je connais mieux. Allez, Pierre. Allez, je me tiens à attraper. Ah, attaquer, pardon. C'est que doré à ta vie. Hop, on va se faire le parallèle en premier. Un petit peu de force. Ah non. Et après on va patienter. On va chercher déjà. Reprendre une caution. Bon, pas de shiny. Mais bon, hier, je sais pas si vous étiez là, mais j'ai eu un shiny. Quelqu'un se rappelle, c'était quoi? J'étais hystérique. Je me rappelle plus. Je me rappelle tellement plus.
Ok, là dans mon oreille, on m'a dit oui, mais que tu sois cisgenre, c'est pas tellement discriminé. C'était qui? Ouais, je sais plus. Ah, c'était un rapion. Bah voilà. Parfait. Que d'ailleurs. Ah oui, c'est là qu'on change la couleur. Regarde comme il est mimi. Mais oui, mais c'est rapion. Regarde, couillou. Bref. Donc, on a dit, on va essayer de pas se TP. Et du coup, on va aller réessayer le racaille. Voilà, pour la peine. Un petit coup de zozio. Mais sur l'autre côté. Laissez-moi tranquille. Le secours est fait court. Mais ils sont sacrément bas, dis donc. Hop. Bon, il n'y en a pas de doré. Hein. Rembourser. Plus de shiny. Moins de, pas de shiny. Bien, les jeux Pokémon, c'est pas du tout. Et vous avez vu comment je m'en sors vachement mieux? Oups. Moi, je suis plutôt fou. Hop, et ben on va aller voir par là-bas si j'y suis. Il va falloir remonter. Ouh, l'inverse devrait encore. Et je pense que l'inverse dure plus longtemps aussi quand je me téléporte pas. Et quand je ne soigne pas. Du coup, sinon, vous faites quoi, vous, pour votre week-end prolongé? J'espère beaucoup que je suis pas une vilaine parce que vous le faites pas et que vous avez dans l'air. Je crois que j'ai vu un shiny. Ou alors c'est un caillou.
C'est un shiny, c'est un shiny. Regardez, il y a un shiny. Il est attrapé. Oh, shiny. Mais j'ai rien dit quand t'as été éliminé. Ah. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, on a entendu Flor qui va éternuer en arrière-plan. Et les personnes dans le stream qui nous connaissent IRL, tu as envoyé à tes souhaits en message privé. Voilà. En même temps, quand j'étais enceinte de l'abominable petite créature, et que Flor qui éternuait, le bébé sautait dans mon ventre. Tellement ça fait débit. Et j'ai eu un shiny en plus, du coup là voilà, on me casse tout mon... ma joie là. J'ai eu un shiny. Bon, il est marron caca mais... Après, il va falloir les faire évoluer tous les shiny. Et là, il n'y a pas... c'était bien quand même, dans la première génération. T'avais... bah, tu faisais la course... la... enfin, le dernier combat, quoi, le truc de la route de la victoire. Et au moins, tu te posais pas de questions. Tu te faisais de l'XP à tour de bras. Non. Hop, cœur de rancœur. Oui. Ok, c'était fait. Et vous savez quoi? On a eu un shiny. Ouh. Alors, Scarino. Ouf. Ah, c'est... pardon, j'ai cherché Scarino shiny. C'est rose, hein. Aïe, aïe, aïe. En fait, ils ont trois couleurs pour les shiny. Ils ont rose, fluo. Ils ont vert plus ou moins moche. Et ils ont marron. Voilà. Bah, ils avaient peut-être des réductions sur ces couleurs-là pour les impressions, je sais pas. Mais au moins, on le repère de loin. Ou alors, ils ont aussi l'option, on change pas la photo, en fait. Voilà, il y a une exception. Et... oh là là, là je me suis emmêlée dans mes pinceaux. Non mais ok, c'est bon, je suis parti. Vous voulez mourir, vous voulez mourir, c'est tout. Donc oui, effectivement, il y en a quelques-uns. Genre le Léviator rouge, il a la classe. J'avoue. Mais d'où il meurt pas? Non mais sérieux. Mmh. Bon bah, j'ai eu qu'un seul shiny, qu'un seul chromatique. Sachant que je pars vers 16h30, je pense, pour faire les bagages et tout ce qui est.
passerai pas mon 14 juillet à me réjouir d'avoir 50 kilos. Hop, allez. J'hésite à rechercher sur la map des les herbes souveraines. Contrefort. Que c'est quand même plutôt bien, ça fait des rappels, ça fait des potions max. Non, c'est pas du tout ça que je veux. Alors, est-ce que sur la carte interactive... Non, sur la carte interactive, j'ai les Pokémon. Donc, ok, très bien. Et ben, on va se balader, alors. Il n'y a pas de disto en préparation. Hop. Fleurs pépé, fleurs pépé, le tabac gaz. Ah, le bourgeon là, il va me falloir. Une herbe souveraine. Ah oui, je voulais voir si mon Magikarp il avait déjà des nouvelles attaques. Ne pas faire évoluer. Ok. Donc normalement, avec Bellila, je dois pouvoir lui apprendre de nouvelles attaques. Il y a intérêt, sinon on est vraiment dans la merde. Et lui aussi, j'espère. Ah non, sinon ça va être compliqué. Hein. Enfin, le Magikarp, en fait, je vois pas comment je peux gagner si je peux pas lui apprendre de nouvelles attaques. Clairement. On s'envole. Là-bas, il y a le magnézone. Je vois pas d'herbe souveraine proche. En tout cas, qui est auprès. Mais j'y vais, j'ai le corps chahi. Je me suis mis dans une gorge. Non mais je veux bien, mais tu veux pas monter plus d'un pas à la fois. On est au bout du monde. Hop. Là on a tous les feux forêts. C'est bien, les feux forêts au moins. T'attaques pas trop. On va faire un peu bosser Magikarp qui nous gagne un peu de XP. Ah ouais, mais il gagne 100. Et il lui faut combien d'XP? 2500. Donc il faudrait qu'il casse 25 arbres pour gagner un niveau. Bien, c'est parti. Il n'y a pas moyen de... Ah oui, non, j'avais dit, si à la fin de cette disto, je n'ai pas de niveau d'inoplier. Bien que ce soit contraire à mes principes.
C'est pas un barbare. C'est bien en fait les boules bouillantes. Tu t'es déjà vu? Oh non, l'air de pâturage est pleine. Mais c'est des mensonges. Ils disent attraper les tous. Moi je vais attraper tous les Pokémon et voilà. Allez, on va se faire un petit peu de cailloux. Donc il y a 31. Il est où mon shiny? Il est là. Hop, choisir et relâcher. Non! Ok, ça va. Au moins, je sais pas si vous avez vu, mais il me le dit. Peut-être là, le shiny, tu veux pas le relâcher. Je pourrais pas lui dire tu me gardes un de chaque et c'est tout. Mickey est mignon. On va faire un coup relâché parce que sinon après c'est un coup à ce que je fasse une fausse manip et ça me perd toute ma sélection. Donc c'est bon. On va en garder. Non. Hop, relâcher. Je sais pas combien j'en ai relâché déjà. Oula, on a des un peu rares. Voilà. On a fait un peu de place, mais je sais pas combien de temps ça va durer cette place. Alors, combien de sable? 63 pierres effort, 26 rochers, 83 sachets de cailloux et 27 sables.
c'est pas mal. C'est honnête. Alors, est-ce qu'il y a des trucs par là? Ah non, je crois que c'était une fleur répulsive. Donc, la reine de la lune, c'est là où on a combattu Électrode. Non, bah ok, ok. Hop. Bon, on n'est pas dans la mouille. Je patiente. Qu'on fait. Donc tout va bien. Il va tellement vite, Serbilin. Et pour le faire évoluer, il faut genre utiliser 27 fois précisément une attaque avec Cerberus. Et après faire je sais plus quoi. Et pareil pour faire évoluer Bargantua, faut prendre 249 PV sans mourir ou je sais plus. Enfin, ces deux-là, ça va être vraiment relou. Mais je crois avoir vu que Serbilin et Pantagruel étaient dans les raids. Alors que Dinoclier n'y est pas. Parce que c'est que des vilains. Bon, on va continuer à récolter, hein. Et le soleil se lève. Il se lève de quel côté? Peut-être je peux essayer de vous faire profiter d'un lever de soleil, mais... Non, on voit pas grand chose, hein. Il manque un peu de soleil, mon lever de soleil. Ouais, c'est marrant, on dirait qu'il se lève tout autour. Bref. C'est pas souvent que je vais par ici. Thank you.
Ah, j'ai vu une fleur radieuse. Aïe 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 aïe. C'est pas normal, j'aurais tellement dû mourir. Mais bon, on va pas se plaindre, hein. C'est pas du tout une fleur radieuse, une herbe souveraine. Donc on a dit là les trois nouveaux légendaires. Ouais, Terres Immaculées, Côte Lazuli et Plaines Obsidiennes. Très bien. Mais j'ai eu un Rhinocorne Shiny. Bon, j'espère que... Là, je flippe un peu quand même de mon Magikarp. Mais non, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas lui apprendre d'attaque. Sachant qu'on peut pas utiliser d'objets. Ça, moi, j'avais pas vu avant hier. Mais tu peux pas utiliser d'objets pendant les combats solitaires. Même rude. Allez, au-delà, je crois que c'est un doux frais. Normal. Je croyais que c'était un petit morceau de fer, mais non, c'était un mashup. Aïe aïe aïe. Allez, c'est décidé, si on a passé le Pokémon dans cette disto, soit je le farm moi, ce week-end. Soit je demanderai à quelqu'un de me l'échanger. Et là, c'est un peu mort. Dedans. Hop. Et jamais j'ai l'impression que les 40 minutes max on m'a un peu floué dessus. Non, je pense que c'était... Ouais, ça fait 1h11 que je joue. On a fait
On a été où au début? On n'est pas direct allé au contrefort. Ah bah si. Ah ouais, mais j'ai amélioré mes Pokémon aussi, ça a pris une vie. Je suis pas sûre que j'aurais survécu si j'avais pas chopé le mur. Tu m'as vu et tu t'es même pas enfui. Je vais vite te faire regretter ta terre méritée. Hop. Elles ont aucun intérêt, quoi. Vas-y, moi qui se marre. Capacité. Eh ben, très bien, balle ombre. Alors, ce serait bien qu'il ne me tue pas. Très bien, il s'est blessé. Ça c'est fait. Bon, et la cinquième vague des trucs du circuit Mario Kart est sortie. Il n'y a toujours pas le Wario Stadium, celui sur double dash. Il y a deux pistes de double dash qui sont pas non plus transcendantes, mais voilà. Il restera encore une vague. Mais je sais même plus quand elle sort. Donc pour l'instant je ne veux pas acheter. Parce que vu ce que j'y joue. Oup. Allez, 40 000. On va se soigner. Petit motisma. D'abord mon Ponyta il colle pas. Mon Ponyta c'est un petit peu feu. Quand je dis que la dernière fois je la relis. Ça doit être la 27e fois que je la relis cette phrase. Là-bas, il y a une herbe souveraine. Un petit bout de bois. Là, ça va y avoir des sous dedans. Que je fasse gaffe quand même parce que mon Magikarp il a que trempé. Donc si j'ouvre un arbre où il y a un insecte dedans, enfin après je changerai de Pokémon, hein, mais je me sentirais un peu bête. Mais du coup il a monté son niveau mon Magikarp. Après, attraper des Pokémon aussi, ça fait gagner de l'XP.
Et dire qu'il est plutôt, il était plutôt rare à un moment, Serfrousse, dans Pokémon Go. Et tu tires ou... On se casse. Oh là là. Il y a une méga. Je sais pas si on perd en altitude. Ouais, peut-être un peu, mais ça va, c'est pas non plus. Scandaleux. Ah bah, faudrait que j'aille vider mes poches. Cinq herbes souveraines, c'est pas mal. Je veux vendre surtout. Allez, ça me saoule. Sérieux. Au moins, pendant les méga-apparitions, on a des trucs à faire. Et j'ai même trouvé un shiny. Poussière d'étoile. Oh les yeux. Et ça va m'endormir à force. Je pense que ça fait quasi 40 minutes hein, qu'on est là.
Mais bon, on a eu un Rhino Card Shiny. Pour récupérer du sel, on va en récupérer. Hein. Mais... Bon, on va dire que c'est la sieste. Et qu'après, on fera peut-être des trucs intéressants. Réussir à m'endormir en jouant. Ça va être magnifique. Mais je sais que ma vie carpée peut évoluer, ça va, je suis pas débile. Allez, moi je veux que la distorsion elle s'ouvre maintenant. Alors, du coup, je vais juste aller me chercher un truc à boire. Je reviens tout de suite et on va espérer qu'il n'y a pas de Pokémon qui vont m'attaquer. Voilà. C'est bon, il y a une disto, elle s'est ouverte, elle s'est fermée, merci, au revoir. Elle est trop...
trop motivée, ma bonne âme. Hop. Hop, c'est parti. Bon, c'est un simularme. Après, on s'étonne que... Non, même pas en plus, mais... Oui, bah, j'ai passé 300 heures sur Pokémon, dont 200 à attendre une distorsion. Ah oui, c'est vraiment... Il se pose comme un arbre, il attend que ça passe. Voilà. Après, il faudra que je fasse évoluer mes shiny. Parce que franchement, le mandat, il est chou. Je pense que le... Le simularbe shiny doit être sympa. Oh, ok. Bah, je vais regarder sur internet. Si le Karmash me lâche le bot. Qu'est-ce que ça ressemble, simularbe shiny? Eh ben, devinez de quelle couleur est le simularbre shiny. Il est vert moche. Alors que le Mansai, il est tellement choupi. Enfin, il est jaune et rose, quoi, mais... Non, le simularbre, il est vert. Enfin, le corps est vert. Et les bourgeons sont orange-marron. Mais il est vraiment... Enfin, ce vert, en plus, je l'aime pas. Ça fait un peu vieux surligneur qui a mal vieilli. Un peu délavé. T'es encore là et t'écoutes en plus. Franchement, t'as du courage parce que même moi je m'ennuie. On va essayer de voir si on peut attraper le Styx Baron là. J'ai pris une potion. Ouais, j'y vais. Non, bon, si tu le prends comme ça. Bah très bien. Mais ça va, moi je trouve cette nuit il a fait meilleur, j'ai pu mettre ma couette et tout. Ça faisait au moins 3 jours que je dormais. Non, peut-être 2 jours où j'ai pas dormi sous ma couette. Jusqu'à 30 degrés, ça va, sous la couette. Mais là, on a fait une ou deux nuits à 32 et non, un peu chaud.
Eh bien, ce matin, Raphaël, elle a décidé de mettre son ciré. Voilà. J'ai dit, bon, ok. Arrivé à la cache, on l'a enlevé et on va l'oublier, mais on va quand même vouloir mettre le ciré. Alors qu'elle craint tellement le chaud. Non mais sérieux, je pense que je dois faire quelque chose qui repousse les distorsions. On a 40 minutes en théorie. Qui me suit? Je suis toujours? Non, c'est bon. On va se relire des articles sur les distorsions, hein. Distorsion Pokémon Arceus. Que faire, ok? Ok, ça, on s'en fout. Peut-être quand je suis cachée aussi, ça fait pas avancer. Vous trouverez les chances des différents temps d'attente pouvant être choisis par le jeu, en fonction de si le ciel est bizarre pendant l'aventure ou non. Ah oui, quand le ciel était rose, c'est pas les mêmes durées entre deux. On pose des questions à toi. Mais du coup, je regarde pas la carte. Du coup, faut que je vérifie de temps en temps. Une distorsion se manifeste par une bulle irisée. Oui, ça je sais. Elle ne s'active pas immédiatement. Vous devez attendre entre 1 et 13 minutes avant son ouverture. Ok. Ok. La distorsion reste active 4 minutes avant de se fermer. Le jeu déterminera le temps passé avant l'ouverture de la prochaine distorsion. Toujours 40 minutes maximum. Alors, le jeu... Ah voilà. Le jeu redéterminera un temps d'attente parmi 5, 10, 15, 25 et 40 minutes si vous réalisez une des actions suivantes. Vous vous reposez au bivouac, ça je sais. Ah, sauf un petit moment. Ok. Vous rechargez la carte en rentrant dans le cap du creux. Est-ce que la grotte des égarés? Parce que ça, c'est le passage des nuages. Donc ok, faut pas rentrer dans une grotte. Vous partez de la région et revenez. Votre personnage tombe inconscient ou vous perdez contre une des trousseurs. Ok. Ok, bon bah, il semblerait que j'ai rien fait de mal. Mais c'est trop nul, hein. Franchement. Hehehehe
Hop. Mais j'ai... Après... Ah ouais, cool, super, une disto. J'étais en train de dire... Après, je vois pas quand les gens partent, reviennent, c'est, mais j'ai pas perdu de viewers dans ma moyenne. Je suis toujours à 3 pour ce stream. Donc, soit tout le monde fait la sieste avec son ordinateur qui tourne, soit vous êtes déjà la 70e personne à être venue, puis repartie parce qu'on s'emmerde. Hop. Donc voilà, on a dit, soit j'ai un dinoclier, soit je pète tout. Faudrait que je regarde. Ah oui, alors il disait qu'il y avait un arc de cercle. Ah oui, là, très vaguement, on voit un petit... Enfin bref, ça fait un cercle pour savoir quand est-ce qu'elle va s'ouvrir la bistro. Donc très bien, j'aimerais me mettre dans un coin. Que je voudrais regarder sur mon Pokémon Go. J'ai pas un dinoclier que je pourrais m'envoyer. Je sais pas si ça marche à Arceus avec Pokémon Home. Ah oui, mais mon dinoclier. Mon. Il doit être tellement vieux mon Pokémon Go. Il va me demander des. Il va me demander des mises à jour à tous les coups. Ouais, faites la mise à jour pour continuer. Bravo. Eh ben, mets-toi à jour. Ça coûte pas grand-chose. Je pense que la dernière fois que j'y ai joué, c'était il y a plus de 6 mois, donc... Je sais pas si ça se stream du Pokémon Go. Après, depuis mon canapé, on peut pas faire grand-chose. Allez. Bientôt, bientôt. Je vais être tellement triste qu'il n'y ait pas de dinoclier. Je vérifie si c'est bien dinoclier hein, que j'ai besoin. Par niveau de recherche. Ouais, dinoclier. Il faudrait. Ah oui, si, en attraper un, ça double. Si j'en attrape un gros. Top. Un loup. Par contre, cette zone-là, pour trouver des Pokémon dedans, ça va être relou. Non, mais je veux pas sortir, t'as craqué tout. M'embête. Non, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Ok, c'est parti. On croise les doigts, on serre les fesses et on se trouve un bouclier. Nope. Yes! Pitié que ce soit un gros. C'est pas un gros. Donc 5. Comme elle compte double 6, 7. Il m'en refaut un autre. Ah non, si je le fais évoluer, peut-être ça suffira. Mais on va espérer trouver un autre binocle.
Moi, on en a un et ça devrait le faire. Mais ça va être chiant, donc autant espérer en avoir un deuxième. Peut-être on va quand même être trop mauvais. Super. Magikarp. On va essayer une Gigamas Ball. Magnifique. Super action. Alors. Oh, ça me fait même pas gagner de. Ça me fait même pas gagner de tâche. Oh, il est énorme. Ah oui, c'est un méga. Mais déjà, il est énorme ce magma. Normal, parce que ce n'est point pour le magma. Yo la la la. On va tranquille, laissez-moi pas. Ah super, je suis empoisonné. Il va sûrement mourir. Donc, dans ma main. Mais bon, même si ça va être un tout petit poil long du sorcier, 25 fois pour voir en plus, on va s'en sortir. Oui. Non, je vois. Oh non. Vilebrequin. Hop. Non, pas chez le roi. La vie est une pute. Pio. Bref. Dans l'idéal, si on retrouve encore un dinoclier, ce serait vraiment super. Ouais, y a plus de Pokémon. Oh, un Voltali. Mais moi je m'en moque de vos monstres, de vos monstres, de vos Pokémon pas du tout rares. Seraclope Osef. Non mais peut-être on va rester dans la disto quand même, salut. Ah mais c'est un Pokémon. Est-ce que
Les tessons, ça fait de la thune quand même. Ah oui, ok. La feuille, elle fait le tour, mais là, c'est trop. C'est pour ça que ça me sortait. Ok. Très bien. Ça, c'est fait. On est content. On a notre dinoclier. Et ben parfait. J'ai plus rien à faire dans cette boutique. Ah, on va essayer un coup l'éclat de ballon de l'extrême. Et après, on partira se balader. Donc je disais, moi je quitte à 16h30, comme ça j'ai le temps de faire les bagages. Voilà, tout simplement. Hop, on va se faire... Je peux en faire qu'un seul. Ok, c'est la déchanter son verre. Non. Hop, voilà, voilà, très bien. On va vider les poches. Touk, touk, touk. Voilà, on va vendre. Ça, ça et ça. Oh, et puis ça aussi, mais juste par gourmandise. Hop, voilà. On a capturé 47 Pokémon. Te tue. Dont un Shiny et deux dinocliers. Ouais, c'est ça, ça comptait double. Très bien. Donc il doit encore faire 16 fois pouvoir antique. Et il devra évoluer. Donc on va retourner au village. Je vais essayer, maintenant que j'ai bien pimpé mon motisma, je vais essayer d'aller le faire, le combat là. J'hésite à le faire changer de type. On va faire ça. Hop. Touk, touk, touk. Où est-ce qu'elles sont mes machines? Ok, donc je peux le faire devenir de type vent. Et de type herbe. Enfin, pardon, de type... C'est quoi, c'est type feuille? Type plante? Et type air. Eh ben, très bien. Oh mon dieu! Hop, il apprend l'âme d'air. Ah, mais attendez! Il a appris l'âme d'air. Mais du coup, est-ce qu'après il pourra continuer à apprendre à le garder, l'âme d'air? On va voir. C'est quand même pas mal. Ok, il oublie l'âme d'air et il apprend tempête verte. Ouais, non, on va rester plutôt de type air. Du type vol. Hop, apprenons-lui. C'est bien, il l'a appris, mais il l'a pas dans ses capacités.
Très bien. Allez, on va essayer. Et si j'y arrive pas, je sais pas. On verra. Hop. Je vais voir aussi, se rassurer un petit coup et vérifier que Magikarp peut apprendre d'autres attaques. Que veux-tu faire? Apprendre une capacité à Magikarp. What? Alors, on a dit Magikarp. Solitaire. Voilà. Voix solitaire Magikarp. Que dans mon machin là, là ils me le disent même. Il faut. Il est conseillé de se munir d'un Magikarp résilient. Ok, mais. Ne possédant aucune attaque, vous devrez capturer un Magikarp baron. Oh la tuile. Donc là, ça veut dire, ça fait 15 ans que je me traîne une tanche intersidérale. Pour rien. Super. Je suis ravie. Je veux donc Motisma. Ah oui, mais il faut que je vire les autres. Bah, le souci, c'est que moi, je dois aller tuer les bonhommes. Et Trempette, ça fait zéro dégâts. C'est même pas une attaque toute pourrite, c'est que ça fait zéro dégâts. Donc je vois pas. Ou alors il faut vraiment espérer qu'il va faire 25 coups de Damoclès, mais. Mince. Donc c'est pas possible de sang du coup. Attention au départ! Ah oui, je voulais lui faire un petit peu de glace. Parce que lui, là, c'est un dragon. Non, rien du tout. Parce que là, du coup, je suis allée voir la dame, donc Bélida. Non, c'est pas vrai. Qui, du coup, elle apprend les attaques possibles. Mais il n'y a pas de CC, il n'y a rien. C'est vraiment que elle qui peut apprendre des attaques. Et quand il gagne des niveaux et tout. Bon, bah il est pas assez fort. En plus on peut pas utiliser d'objet, je crois. Oui, on peut pas utiliser d'objet. Je suis un peu triste. Hein. Franchement, un peu triste. Bon, mon Motisma n'est pas assez fort. Non. Et donc faut que j'achète un frigo pour pouvoir mettre mon Motisma dedans et qu'il devienne de type glace. Tout simplement. Membrane métallique, pierre sphérique, l'autre boomalie. Je sais même pas c'est quoi une pierre sphérique. Ah, pierre ovale. Sérieux? Ovale et sphérique, c'est pas pareil. Membrane métallique. 8000? Ça doit être pour faire évoluer un Pokémon, je sais pas lequel. Peau métal. Oh putain.
Il m'a un peu enflé deux fois de suite et les deux fois je me suis fait avoir. C'est des objets que j'avais déjà en masse dans mes affaires. Ah non, j'avais pas de peau métallique, mais j'en ai pas besoin. Hop, et ben très bien. On va aller changer nos Pokémon. Qui est-ce que je fais évoluer du coup? Non, je vais chercher un légendaire encore. Je regarde s'il y a des méga apparitions. Peut-être j'ai pas besoin de les faire. Et je vais prendre Dinoclier. Ça, on va enfin le finir celui-là. Rechercher Pokémon Dinoclier. Donc, le mien, ça va être celui-là. Ok. Très bien, on va les ranger dans l'ordre. Donc il doit faire encore un million de fois pouvoir antique. Très bien. Et ben allons-y, on va, je sais pas, se faire une méga apparition s'il y en a. Alors, contrefort, ça va, ça me saoule. On n'a plus besoin d'y aller. On va se faire la méga apparition et trouver Boreas. Il neige. Entre. Glacier Serra crawl. Ok, il est là. On va quand même regarder la méga apparition. Mais comme ils ont dit, quand il neige, je vais le faire pendant la méga apparition, vu qu'il neige. Il y a un Oniglali Baron pas loin, alors il faut y faire attention. Touk, touk, touk. Oui. Qu'est-ce qu'on a? Les Fantominus, on en a, mais j'en ai déjà un. Là, je suis un peu triste. On va se faire Skelenox et Pachirisu. Skelenox, il ressemble à quoi? Attention. On fait des votes. Alors, attendez, où est-ce que... Voilà. Skelenox, quelle couleur il va être? Il n'est pas vert! Donc, il est rose. Quelle question. Pachirisu. Je crois que Pachirisu, il est rose aussi. Ouais, c'est ça. Au lieu d'avoir une crête bleue, il a une crête rose. Donc, très bien. Donc, moi, je suis là. Je veux aller ici. Non, je veux aller ici d'abord. Ça suffit. Ça suffit pas comme si les bêtises. Hop. Okay. Ok, il est là. Ils ont dit faites attention au machin baron. On va déjà tuer le Nidlali baron. Si j'y arrive. Et donc il est là-bas derrière le bébé. Ouais. Non, bah je vois rien mieux, c'est tout. C'est le jeu de la vie.
Bah très bien, Dinoclier. Je sais plus s'il doit faire pouvoir antique ou l'autre. Ah, c'est mes autres. Il doit faire pouvoir antique. Donc c'est parti. C'était super efficace. Alors je vais faire. Me revoilà, me revoilà. Hop, donc on a eu l'olive lali. On va sauver le Pokémon. Hop. Hop. Alors, j'espère que c'est pas, mais je sais pas, mais il a prévu de me tuer. C'est un coup à mourir en vrai. Mais n'importe quoi. Sérieusement. Genre. On a que ça à faire. Putain, pour un petit grain de maïs qui est plus vite. Mais allez! Ok, Internet est mon ami. Comment le capturer? Dès que Boreas lance ses tornades vers vous, pour chasser le pour qu'il vous attaque, esquivez-les très rapidement et profitez-en pour lancer une balle sur lui. Cela va briser son armure de vent autour de lui. Dépêchez-vous de lui lancer une seconde balle de part de tonnerre afin d'initier le combat. Ok. Ok. C'est pas mal, là. Chronigneuse, chronigneuse. C'est rare, c'est pas. Aïe. Pour rien que m'embêter. Alors, qu'est-ce que je vais paumer comme objet quand je vais mourir? Ta sœur elle est hors jeu. Ok, deux rappels max, 20 super beaux. Une guérison. C'est un peu douloureux. Et bien, t'y pas qu'il neige plus. Ah si. J'aurais pu être intelligente. Et j'ai fini avec des métaux. Mais non. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Et on va le tuer. Capacité.
Au moyen de mourir d'un coup. Très bien. Mais je vais tirer 6 fois dessus là. Bon, on va s'écarter un peu. Et aller reprendre des forces. C'est toi, je vais vider mes poches. Je pense que j'aurai tout juste le temps de l'attraper lui. Hein. Ça, on s'en pète en vrai. Mais en fait, non, je vais ranger les rappels max après, vu ce qu'il m'en reste. Parce que j'ai pas envie de me retrouver comme une con au milieu du combat et à pas pouvoir utiliser de Pokéball. J'ai même pas pu essayer d'esquiver. Mais... faut vraiment que je ponce toute la zone en fait. C'est genre que ça à faire. Il me tire dessus super que je peux même pas éviter. Est-ce que ça va avoir été, ça va être comme ça, plus facile de choper les dinocliers que le beluga. Ok, faut en envoyer plusieurs différents. Je ne comprends pas. Je vais regarder une autre solution. À un moment, je veux Boreas. Là, c'est quoi comme site? Ça, c'est Millennium. Alors, Gamosaurus, qu'est-ce qu'ils disent? Ok, ils me disent juste où je peux le trouver. Jeuxvideo.com. Alors, même pas, il me le dit. Ah si, les avatars de Hisui. Ce Pokémon demande un peu plus de stratégie pour les attraper. Ils sont naturellement protégés par une tornade qu'il faut éliminer en jetant un projectile dessus pour la faire disparaître pendant quelques secondes. Deux ou trois, pas plus. Le plus gros souci sera probablement de les approcher. En effet, à peine vous entrez dans leur champ de vision qu'ils se sont déjà enfuis au loin. Un moyen très simple de contourner cela est d'utiliser des plumeballs. Et des envol-balls.
Ah bah oui. Ok, d'accord. Très bien. Merci Internet. On va aller chercher des Pringles. Quand on sera mort. Bon, du coup, la méga apparition, on va pas trop en profiter. Mais bon. Alors, Plume Ball. Moi, je veux les meilleurs. Les Propulse Ball. On va en faire 40, hein. On se pose pas de questions. Voilà. Alors, est-ce qu'à cette distance-là? Non, c'est peut-être sacrément trop loin quand même. De vue qu'il m'a vu bien en plus. Bah, je comprends pas pourquoi ça marche pas. On va bien le finir parce que moi j'ai des bagages à faire. Allez. Ça peut marcher. Il est super moche. Ouch. C'est un peu dégueulasse. Pokémon de quel. Ouh! Et ben voilà. Et Dinoclier peut évoluer, mais on a dit c'est pas encore le moment. Ah mais il faut qu'il fasse plus que 2 que 7 8 9. Oui, dans deux attaques, il est bon en fait, Dinoclu.
Alors, je cherche un truc pas trop. Dans la boîte verte. Allez, allez. Non, ça va. Ok. On a dit deux pouvoirs antiques. Ça c'est fait, merci. Donc on est d'accord, 7, 8. Si je le fais évoluer, ça me fait 2. Très bien. Et au pire, ça fait pas assez. J'en ai deux autres dans ma poche. Donc très bien. Bon ben on a eu Boréas. Voilà. C'est notre vie maintenant. Et du coup Boréas, fallait juste l'attraper et... Ah oui, normalement on te parle mais c'est même pas... Ah si, c'est là. Ah, faut les trois, ok. Eh ben très bien. Du coup on va rentrer. Refaire un peu mon sac. Hop. Voilà. Il manque un truc du coup. Ah oui, il y avait une guérison, mais on s'en fait. Très bien. Ok, ok. Vous avez capturé un Pokémon. C'est un Pokémon légendaire. Bon, il y en a 27 des légendaires. Donc, 980. J'ai galéré comme une malade à l'attraper. C'est un Pokémon légendaire. On me le demande dans une quête. Gna gna gna. 980 Pokédollars. Alors qu'un pauvre, je sais pas, un pauvre Chlorobulle Baron, bah on me donne 3000. Au moins, on a fini d'inoclier. On a avancé un peu les trucs. Alors, Boréas, il doit faire extrasenseur, typhon infernal, hivernal, ok, et Bastiodon. Ok, très bien. Allez, on est bientôt au rang supérieur en plus. Donc on va retourner au village. Puis voilà. Du coup, je vais vous dire à soit dimanche soir, soit lundi. Voilà, probablement dimanche soir, ça, voilà, quasi sûr. Du coup, moi, j'ai rien à farmer pour ce week-end, vu que bah, j'ai enfin réussi à avoir mon dinoclier. Voilà, je verrai ce que je fais, du coup, moi, sur ma Switch, toute seule, loin de vous. Et je vous dis à plus, bon week-end, reposez-vous bien, jouez bien, et bye bye, des bisous.